Salut à tous, et oui, une vidéo comme ça en plein milieu de la semaine parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous annoncer. Et donc dans ces petits trucs, il va y avoir deux formations qui sont là tout bientôt, deux cadeaux que j'ai à vous faire et puis un live qui va arriver là très bientôt, on va voir ça ensemble. Et puis dans cette vidéo, vous allez voir, ça sera sans montage ou presque et sans trucage, même la pluie, c'est de la vraie, je vais essayer de faire ça vite. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par vous parler des deux formations, je vais faire ça en lisant mon papier et puis comme je vous ai dit, il n'y aura pas de montage, du coup je ne vais pas couper tous les petits moments où je lis mon papier parce que oui, la plupart du temps je lis souvent, en tout cas je lis en papier dans mes vidéos. Donc première formation dont je voulais vous parler et si vous voulez la faire, il faut vous inscrire rapidement parce que c'est dans 12 jours. C'est les formations que je fais en présentiel au Noël, juste à côté de chez moi. J'avais dit sans trop de montage mais je vous mets quand même quelques images de ce lieu parce que c'est vraiment un lieu magnifique. Je vous parle de la formation juste après mais déjà le lieu est très très beau. Toute une petite équipe qui bosse là-bas, ils ont un projet, enfin plusieurs projets, mais en tout cas un projet de jardin forêt, d'agroforesterie, il y a une serre bioclimatique en construction, enfin il y a tout plein de petits aménagements qui sont en train de se faire sur le lieu, l'équipe est vraiment super sympa, le projet est magnifique, le jardin forêt va vraiment être bien, et c'est à vol d'oiseau ou à vol de drone à 3 km à côté de chez moi, du coup c'est vraiment juste à côté, il y aura une partie de la formation, une grosse partie qui sera sur place là-bas et quelques petits ateliers, quelques journées qui seront chez moi au Jardin des Merveilles. Alors sur la formation, j'essaye de faire le truc le plus complet possible sur tout ce qui est création d'une pépinière et puis travail, production en pépinière, mais en parallèle d'un jardin forêt, parce que pour moi les deux vont vraiment ensemble, on ne peut pas faire une pépinière séparée d'un jardin forêt pour produire des plantes et on ne peut pas faire un jardin forêt sans faire de petites pépinières à côté pour multiplier ses propres plantes. Donc voilà, dans cette formation, j'essaie de faire le truc le plus complet pour vous apprendre tout ça. Je vous mets un lien là en haut à droite de la vidéo pour que vous alliez voir la plaquette, toutes les infos pour la formation, le lien pour aller s'inscrire si vous voulez. Vous aurez vraiment toutes les infos sur la plaquette. Et si vous ne trouvez pas certaines infos, et bien vous pouvez contacter Mélissa qui est la personne qui organise ces formations avec moi. Les repas, ça sera sur place fait par Pierre qui est un super cuisinier. On apprend bien, on rigole bien, on mange bien. Donc voilà, chouette formation. Comme je disais, c'est dans 10-11 jours, là, je ne sais pas à quel moment je vais mettre la vidéo en ligne, mais c'est là très bientôt, je vous mets les dates en bas de la vidéo. Et du coup, voilà, c'est... Alors, si vous financez personnellement, je ne sais plus le prix, mais je vous l'affiche. Et par contre, c'est finançable par Vivea, par le Pôle emploi. Donc si vous voulez vous faire financer, là, il faut aller assez vite pour faire monter les dossiers. Allez, deuxième formation, là aussi, vous pouvez vous inscrire maintenant. Je vous mets un lien vers le site des alvéoles. C'est une formation que je donne à ligne avec les alvéoles. C'est écrit sur le site qu'il fallait s'inscrire avant le 7 mai, mais vu qu'il n'y avait pas assez d'inscrits, on a décalé les dates. Donc voilà, tenez pas compte des dates qui sont inscrites sur le site, vous pouvez toujours vous y inscrire. Un petit cadeau avant cette formation, vous pouvez avoir accès à déjà quelques petites vidéos. Il y a un parcours initiation, si vous voulez pas démarrer sur le parcours complet, il y a un petit parcours pour déjà découvrir la formation et si ça vous plaît, ben, vous pouvez ensuite vous inscrire sur la formation complète. Donc il y a pas mal de choses déjà, cette formation est très très complète de base, moi je l'ai suivie il y a quelques temps et elle est vraiment très très bien et du coup je me suis incrusté entre guillemets dans la formation, j'ai rajouté plein de petites vidéos, plein de petits trucs dans cette formation là, donc voilà, c'est pour moi c'est une des formations en ligne que je trouve les plus complètes et puis en plus maintenant j'ai rajouté mon petit grain de sel pour assaisonner, donc voilà, allez voir pareil sur le site, il y a tout plein d'infos. Voilà, on va passer maintenant au petit cadeau. Donc cadeau de la part de Terre Vivante. Là, c'est pas un cadeau de ma part à moi, mais c'est lié à du travail que j'ai fait. Je vous mets un petit lien là pour aller acheter mon livre. Vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais je viens de sortir un livre sur le jardin forêt. Et Terre Vivante a eu envie de faire un petit geste, un petit cadeau pour tous ceux qui voudraient en plus s'abonner au magazine, à la revue Les 4 saisons du jardinage. L'abonnement à l'année, donc avec je crois qu'il y a 6 numéros, plus quelques hors-séries, plus accès à plein de trucs sur le site internet de Terre Vivante. Normalement c'est 84€ et si vous achetez mon livre et l'abonnement, ben vous avez l'abonnement à 69,30€ si j'ai bien noté. Donc voilà, un petit cadeau si vous voulez acheter mon livre en plus vous abonner à 4 saisons, c'est moins cher que si juste vous vous abonnez. Et puis voilà, deuxième petit cadeau, c'est lié encore une fois à mon livre. Pour ceux qui ont déjà acheté le livre, vous avez vu qu'il y a des annexes en fin de livre.
Et quand j'ai envoyé tous mes documents pour produire le livre, Terre Vivante m'a dit il y a beaucoup trop et on va devoir supprimer, raccourcir certaines choses. Donc sur mon site internet, il y a un onglet partage, dans l'onglet partage, il y a un onglet documents où je partage pas mal de documents sur les cours que je donne, sur pas mal de choses que je fais. Et donc dans ces documents, vous allez avoir tous les tableaux complets. Dans ces tableaux, j'ai noté, à la fin du livre, il y a des listings de plantes par strat, il y a des listes de tous les arbres qu'on peut mettre en jardin forêt, tous les arbustes, toutes les plantes herbacées et les grimpantes et tout ça. Et donc il y a le tableau sur les arbres et le tableau sur les herbacées qui n'est pas complet dans le livre puisqu'ils étaient trop gros, ça rentrait pas. Vous les avez complets sur mon site internet. Il y a un autre tableau sur les plantes mellifères qui était beaucoup trop gros pour rentrer et du coup il n'a même pas été pris. Il n'est pas du tout dans le livre ce tableau, mais il a quand même été fait, il a quand même été travaillé. Donc pareil, vous pourrez le télécharger sur mon site. Et dernier tableau, c'est un tableau que j'ai fait avec tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut connaître pour reconnaître les symptômes de carence sur les plantes. À quoi ressemblent les feuilles, c'est quoi les symptômes, c'est quoi le produit qui manque. Vous avez tout ce tableau qui est complet et qui est sur mon site internet aussi, sur le même lien. Qui n'est pas dans le livre celui-là, encore une fois. Voilà, tout ça, c'est sur le site internet. C'est gratuit, hein, ça vous pouvez les télécharger même si vous n'avez pas le livre. Par contre, il y a d'autres tableaux dans le livre qui ne sont pas sur mon site internet puisque dans le livre, ils sont complets. Voilà, pour les petits cadeaux que j'ai à vous faire par rapport à mon livre. Et donc, dernière petite annonce, c'est un live. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de live en direct sur ma chaîne YouTube, là, ici. En général, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'essaye de mettre des thématiques. Et ce live-là, ça sera vraiment sur la thématique en deuxième position, on va dire jardin-forêt, mais première thématique sur mon livre. Donc si vous avez des questions sur tout ce qui concerne le contenu du livre, et du coup, le contenu, ben, c'est comment comprendre, concevoir un jardin forêt et sur l'histoire du livre, tout ce qui tourne autour de tout ça. Et puis sur la seconde position, je disais sur le jardin forêt, toutes vos questions qui concernent vous, vos designs, vos projets de jardin forêt, vos cultures, tout ça, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. J'ai pas posé de date encore là à ce moment-là, je suis pas sûr que ce soit cette semaine, ça va faire un peu court, mais semaine prochaine, dites-moi déjà dans les commentaires si ça vous intéresse de faire un live, à savoir que je vais le faire. Et du coup, dites-moi peut-être si vous avez un jour en horaire de préférence, ça sera plutôt le soir puisque l'après-midi je travaille dans mon jardin et le matin c'est bureau, donc ça peut se faire un matin aussi. Donc dites-moi si ça vous va plutôt un matin. En général je le fais plutôt le soir vers 20h, 20h30, on va dire plutôt 20h, et puis ça dure 2h et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et j'y réponds en direct. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Il n'y a même pas eu de pluie, c'est génial. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. On va finir comme d'habitude en disant si ça vous plaît, tout ça, partagez la vidéo autour de vous, parlez-en autour de vous, pour la formation et compagnie, vous pouvez en parler autour de vous, c'est génial. Des petits commentaires, des petits likes, tout ça, c'est sympa pour le référencement. Et puis, comme je fais d'habitude à la fin de chaque vidéo, un rappel, cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent. Et donc, un grand merci à eux. Si vous voulez rejoindre la communauté, vous avez pareil des liens en haut à droite de la vidéo, mais chaque fois que je fais en haut à droite, je dis pas du bon côté, donc en haut à droite. En fait, moi je me vois sur l'écran de mon appareil et moi là je me vois à droite, mais je suis pas sûr que ce soit dans le bon sens sur la vidéo. Bref, on s'en fout un peu de tout ça. J'avais dit que ça serait sans montage, donc ça je vais vous le laisser. Ça finit un peu en sucette cette vidéo. Donc merci de me suivre, si vous voulez me soutenir, suivez le lien Tipeee. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me permettent de prendre le temps de faire tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une vraie vidéo plus sérieuse que ça. Allez, à bientôt tout le monde, salut.